Ok, on est prêt pour affronter le froid. C'est quoi cette tête? J'ai faim. C'est parti. T'en as foutu partout. Mais à chaque fois tu fais ça. J'ai pas mis le truc. T'en as foutu partout, regarde ton pantalon. J'en ai mais. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog dans lequel je vais vous emmener avec moi pour faire mes ongles. Encore une fois, au même salon que la dernière fois. Donc pour 5€, enfin 5€ avant et 5€ sur place. Ça me manque d'en avoir, j'aime bien en vrai. Et c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc je vous emmène avec moi. Je vais aller aujourd'hui faire mes ongles. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. Des ongles pas chers à Paris ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc si vous voulez aller voir cette vidéo, n'hésitez pas, je vous donne toutes les infos sur le salon et tout dans la vidéo. En gros, c'est un centre de formation dans lequel on peut être modèle, donc les filles qui sont en formation nous font les ongles pour vraiment pas cher et voilà. La dernière fois, j'avais trop aimé, je vous mets le résultat de ce que j'avais fait juste ici. La dernière fois, mon rendez-vous était le matin à 9h, là j'ai pris midi 45, je crois que c'est soit 9h soit midi 45 dans ce salon-là en tout cas. Ce matin, j'ai enregistré un épisode de podcast. Encore une fois, je vous mets le lien de mon podcast dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est déjà mon 3e épisode que j'ai enregistré et j'adore faire des podcasts. Vraiment, c'est trop trop bien. Aujourd'hui, je sais pas encore ce que je vais faire. Enfin, je sais à peu près ce que je veux. Je vais vous montrer des photos. Je pense aujourd'hui que je vais faire très très simple. J'ai plusieurs inspirations. Donc déjà, je pense que je vais faire une forme ballerine. Donc carré mais long. Enfin, je sais pas comment vous expliquer mais vous allez voir. Ballerine, c'est ça. Et je pense soit à faire une French comme ça, un peu... Ah, comment expliquer ça? Bref, vous avez vu. Soit ça. J'avais envie de faire un baby boomer, donc ça. Un peu une French, mais en dégradé. Mais malheureusement, elle m'a dit que les filles n'avaient pas encore appris la technique, donc que ce serait pas possible. J'aimerais bien faire soit ça, soit vraiment, vraiment très simple, une couleur un peu nude comme ça, blanc ou beige. Mais en tout cas, c'est cette longueur et cette forme que j'aimerais bien, parce que comme ça, au moins, c'est pas trop long. Parce que j'ai pas envie que ce soit long, si ça tient longtemps, ça va pousser, et j'ai pas envie d'avoir des ongles comme ça. Je pense que cette forme et cette longueur, c'est bien pour aujourd'hui. C'est ça que je voulais faire, et puis on verra en fonction de si elle peut me faire une French pointue ou pas. On verra bien. En tout cas, voilà, j'ai trop hâte. J'espère que je vais avoir un beau résultat. Là, il est 11h20, donc je pars dans une heure à peu près. Comment ça va? Bon, je te laisse. Comme je vous disais, il est 11h20, donc j'y vais à peu près dans une heure. Je pense que je vais y aller vers midi 10, donc un peu moins d'une heure. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. J'ai des restes de... Ah, hier. Hier j'ai filmé une vidéo toute la journée et au final la vidéo n'a pas, je sais pas, ça a pas filmé. En gros, j'avais un problème avec ma carte SD et je sais pas pourquoi ça n'a pas filmé. En gros, ça filmait mais je pouvais pas voir les vidéos et je pouvais pas du coup les mettre sur mon ordi, ça bloquait. Donc hier j'ai filmé une vidéo pour rien. J'étais à Val d'Europe et à La Vallée Village, du coup j'ai fait une journée shopping et ma vidéo n'a pas, ouais je sais pas, ça a pas filmé. Donc j'étais dégoûtée. En rentrant j'ai vu ça, j'ai filmé toute la journée pour rien. Là on est jeudi et du coup je pense que ce week-end j'irai faire les magasins avec mon copain à La Défense parce que c'est les soldes et j'avais fait une journée solde quoi, une vidéo solde, surtout à La Vallée Village, ça m'intéressait de faire une vidéo là-bas. Du coup je vais pas retourner à La Vallée Village, ça fait loin. Je ferai une vidéo là-bas plus tard, tant pis. D'ailleurs au solde hier j'ai acheté deux pantalons, un que j'ai pas pu essayer et qui ne me va pas, il est trop petit donc je dois aller le rendre, et un autre que j'ai sur moi là. Bon là je peux pas vous montrer mais je vais vous montrer dans un miroir, je l'aime bien mais en fait je sais pas, c'est un pantalon simili cuir et à chaque fois que j'ai un pantalon simili cuir je le mets pas, je le garde et au final je vois que je le mets pas. Donc ce que je vais faire, je pense, en plus il est un peu trop grand. Oh, je sais pas quoi faire. Là je l'ai sur moi mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dans le placard avec l'étiquette et je verrai bien si je le garde ou si je le garde pas quand j'irai faire les magasins ce week-end. Je vais voir si je l'échange contre autre chose ou pas, mais chez Bershka il y a des soldes de fou. Tous les pantalons presque sont à 9€, donc vraiment truc de malade. C'est pour ça que j'en avais pris deux, mais bon, il y en a un qui est un petit peu trop grand et en plus je suis pas sûre de le mettre, et il y en a un qui est juste trop petit, je peux pas le mettre. Je vais vous montrer celui que j'ai sur moi, je l'aime bien mais je sais pas quoi faire. Je l'avais mis pour aujourd'hui mais je pense que je vais me changer quand même parce que j'ai pas envie de le mettre et de regretter. J'irai voir ce qu'il y a dans les magasins ce week-end. Bref, j'arrête de parler, je vous montre. Bon, il y a pas beaucoup de lumière et on voit pas grand chose, mais regardez, en gros mon pantalon c'est ça. C'est un pantalon en simili cuir marron, mais pourquoi on voit rien? Et je l'aime bien mais je sais pas si je le mettrai étant donné que j'ai un pantalon en simili cuir noir et je trouve pas ça super agréable, donc je le mets pas souvent. Et du coup voilà. Et en plus il est un peu trop grand là. Quand je m'assois on voit ma culotte, donc je sais pas quoi faire.
Je sais pas, je vais pas le mettre aujourd'hui et je verrai si je le garde ou pas pour plus tard. En tout cas aujourd'hui je vais mettre autre chose. Je l'aime bien mais j'ai pas envie de le porter pour rien et d'enlever l'étiquette pour rien. Parce que oui, j'ai encore l'étiquette. Bon déjà en premier temps je vais manger, me changer, je verrai après, c'est pas grave. Le plus important c'est de manger, je sais pas si vous m'entendez bien. Alors je vais manger quoi? En gros j'ai deux restes. Hier quand j'étais au centre commercial je me suis pris des sushis. Il y en avait beaucoup, il y en avait 18. Et du coup il m'en reste 5 seulement. J'en ai mangé beaucoup. Voilà, donc j'ai un reste de sushi, j'ai 5 sushis et j'ai aussi un reste de quiche lorraine. Je vais manger des sushis et une quiche lorraine. C'est quoi ce délire? Je vais manger mes sushis en premier parce que c'est meilleur et ensuite je me réchaufferai ça et je le mangerai. Ou je vais peut-être la manger froide. Je crois que je préfère les quiches froides. En gros, avant d'aller au centre commercial, hier j'ai mangé ça, mais une quiche lorraine entière c'était trop. Et du coup, voilà, aujourd'hui c'est un repas de reste. Ok, c'est l'heure de ce repas appétissant. Alors j'ai mes sushis juste là et ma quiche lorraine. Et je vais mettre, comme tous les midis, encore une fois, une vidéo YouTube. Parce que si vous ne l'avez pas encore compris, quand je mange le midi, je regarde toujours une vidéo YouTube. Presque tout le temps. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va regarder? Mais y'a rien là. Est-ce que vous aussi vous avez des moments où sur YouTube y'a rien et des moments où vous avez 50 vidéos à regarder? Là franchement je sais pas. Bon bref, faut que je mette un truc là parce qu'après ça va être l'heure de partir là. Je vais mettre une Auroria du coup de Auria. J'aime bien regarder ça le midi mais je sais pas pourquoi, c'est dégoûtant en plus hein. C'est vraiment que des histoires de... Enfin vous connaissez. Ok, je vais mettre ça et je mange. En tout cas je vous dis à tout à l'heure et bon appétit. Oh Sarah, elle vient me voir que quand j'ai du poisson elle. Bon je vais sortir, c'est bon, je suis prête. J'ai mis un autre pantalon qu'on voit pas, c'est pas grave, je vous montrerai dans l'ascenseur. Déjà je vais mettre un bonnet parce que là c'est obligatoire et je sors, on y va. Ok, on est prêt pour affronter le froid. C'est quoi cette tête? Toujours le même plan, sinon je crois que je meurs. Du coup j'ai mis ce pantalon, voilà. Celui-là au moins je suis sûre que je le garde, donc voilà, j'ai pas eu à enlever d'étiquette et on va faire nos zooms. J'ai trop hâte. Ok, je suis dans la rue et il fait tellement froid. Je suis désolée si ma caméra bouge un peu, c'est parce que j'ai mon sac sur le même bras que ma caméra. Je suis en retard, enfin pas en avance. Donc je vais me bouger pour y aller, là je suis un peu rouge donc ça va. Mais après je vais pas trop filmer je pense. Je vais y aller et on va voir, j'espère qu'elle aura ce que je veux. On verra, je suis blanche là. Allez, deux. J'ai tellement hâte d'être en été, vous pouvez pas savoir comment. J'en peux plus. Bref, voilà, je me tais, j'y vais et je fonce parce que je suis en retard et je déteste mettre les gens en retard. Vraiment, je peux pas. Donc, j'y vais. À tout à l'heure. Baby! Quelle entrée! Ça va? Ça va. Je suis un peu fatigué. Regarde. Oh, ils sont beaux. T'aimes bien? Oui, ils sont beaux. Ok, je viens de rentrer, c'était super long, j'en ai trop marre. J'ai passé l'après-midi entière là-bas, vraiment. Je suis arrivée à 12h45 et là, je sais pas quelle heure il est, mais il est tard. Il doit être 18h et quelques. Je vais pas vous montrer mes mains tant que j'ai pas fait mon meal check, rien à voir. Mais du coup, comme j'ai passé l'après-midi là-bas sans manger et sans boire, j'ai faim et j'ai soif. Donc, ben, ça va faire l'affaire. Bon, vas-y, je vous montre mes ongles, on s'en fiche. Ils sont beaux, mais parce que je parle avec les mains, donc sinon j'arriverai pas à parler normalement. Mais je vous montre tout ça après, je vous détaille tout après, pourquoi ça a duré longtemps. On a quoi? On a de la glace à la vanille, du lait, des lions, trop bon les lions. Je sais plus, des sneakers. On va faire un milkshake parce que j'ai trop faim, trop soif, j'ai trop envie de sucre, donc ça va être parfait. Ok, alors premièrement du lait, ensuite de la glace. Ok, alors on a un lion, deux mini sneakers, je sais pas si c'est assez, on va voir. Regarde ce qu'il y a.
Yadira, elle veut pas se montrer à la caméra. J'ai faim. Et un cookie. C'est n'importe quoi ce truc. Attends, mais ton milkshake là, c'est quoi? C'est parti. Oh, t'en as foutu partout. Mais à chaque fois, tu fais ça. J'ai pas mis le truc. T'en as foutu partout, regarde ton pantalon. Je vais me changer. Putain, mais à chaque fois, elle fait de la merde. J'en ai, mais. Chin. Bon appétit. Il est bon. Mmh. Il est bon. Il est trop bon. Il est bon. Bon, il est trop bon. Mais moi, je vous retrouve tout à l'heure parce que là, la lumière est juste horrible. On peut pas faire beaucoup pire que ça. Ok, on est le lendemain. On se retrouve aujourd'hui et c'est beaucoup mieux comme ça, croyez-moi, parce que hier, la lumière était horrible. Le dernier plan que vous avez vu, vraiment, je peux pas. La lumière était tellement moche. Bref, aujourd'hui, ça va mieux. Je suis moins fatiguée aussi parce que hier, j'étais crevée en rentrant. J'en pouvais plus. Du coup, pour mes ongles, je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Franchement, je les adore. Ils sont pas très longs, mais du coup, je vais vous dire toute la forme et tout. Tout ce que j'ai choisi. Ils sont pas très longs parce que juste quand ça pousse après ça devient vite super long et mes ongles poussent très vite, donc j'ai préféré voilà faire court. En plus j'ai des petits ongles donc ça fait vite très long. Je vous montre de plus près, franchement je les trouve trop beaux. Ils sont trop jolis. Du coup, j'ai demandé une forme ballerine. Ballerine, c'est un peu un carré mais plus fin au bout. En gros, de ce que j'ai compris, et je trouve ça trop beau. En général, c'est plus long que ça, et j'avoue que quand c'est long, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop joli. D'ailleurs, sur l'inspiration que j'avais sur Pinterest, meilleur endroit pour les ongles et tout ça, enfin pour toutes les inspirations, de toute façon, Pinterest, c'est trop bien. À chaque fois que je dois faire mes ongles, par exemple, je vais sur Pinterest. L'inspiration que je leur ai demandé pour ces ongles, du coup, c'était ça. Je vous montre. Et ça, c'est une forme ballerine plus longue, donc voilà. Mais le truc, c'est que je voulais pas long comme ça, c'est trop beau. Franchement, c'est plus joli que ce que j'ai, je trouve, quand c'est plus long. Mais le problème, c'est que dès que ça pousse, c'est super long. Et j'avais pas envie d'avoir des ongles comme ça, franchement, à l'aide. Je veux pas, après on peut plus rien faire, non, c'est horrible. Donc j'ai fait exactement ça. En vrai, c'est très ressemblant quand même, je trouve. Je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais en vrai. Je voulais comme sur la photo, mais en plus court. Et c'est exactement ça. Et franchement, j'ai rien à redire, ils sont super bien fait, je trouve. J'essaye de faire la mise au point mais j'arrive pas trop. Oh, je crois que c'est bon. Bref, ils sont trop beaux, ils sont trop bien faits. Du coup, comme je vous ai dit, j'en avais déjà fait une vidéo la première fois que j'y suis allée. Elle est toujours disponible sur ma chaîne si vous voulez aller voir. En gros, je vous récap un peu le truc. Ça coûte 10€, 5€ par carte, par internet, quand on réserve notre place, en gros. Et 5€ sur place en liquide. En gros, voilà. Et 10€ pour ça, franchement, je trouve pas ça cher. Après, il y a des avantages, le prix, par exemple. Et des inconvénients. Par exemple, l'inconvénient, c'est que ça dure très longtemps. Franchement, la pose, moi hier, elles étaient deux. Elles avaient une main chacune. Et comme je vous ai dit, c'est des filles qui sont en formation. Donc c'est très bien fait, mais ça a pris beaucoup de temps. En général, elles sont deux parce que sinon ce serait trop long. Mais bon, elles étaient deux et ça a pris 4 heures. C'est super long. Donc faut avoir le temps. C'est comme les extensions de cils. J'avais fait une vidéo extension de cils gratuite. Gratuite cette fois à Paris. Franchement, c'est long. Mais après, ça dépend aussi. Ça dépend du budget, ça dépend de nos attentes. Si jamais vous n'avez pas le budget et que vous voulez absolument des ongles ou des cils, il y a des moyens de les avoir gratuitement ou en payant voilà 10€. Mais forcément, c'est plus long. Enfin, ça peut pas être sans contrepartie. Mais en vrai, ça permet d'avoir des ongles pour vraiment pas cher à Paris, sachant qu'une pose comme ça, normalement, je pense que c'est bien 60€. En tout cas, je suis trop contente de mes ongles. Je vais vous donner toutes les infos par rapport à l'adresse et tout ça. Je vous remettrai tout en barre d'infos aussi, ainsi que le lien pour s'inscrire d'ailleurs, pourquoi pas. Alors, c'est le centre de formation INACA. Je vous l'écris juste là. L'adresse, c'est 71 avenue des Ternes, dans le 17e, si je me trompe pas. En tout cas, je suis trop contente. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !